L'AFD travaille, accompagne les transitions en cours sur le continent africain, transitions qui ont aussi lieu en France. Et il se trouve que les tiers-lieux cristallisent beaucoup des enjeux en cours sur ces transitions, les questions culturelles, les questions écologiques, démographiques, sociales. Et voilà, les tiers-lieux sont des endroits hybrides où se mélangent les activités, les publics, les acteurs. Et se joue beaucoup aussi de dynamiques d'innovation, d'expérimentation qu'on a envie de découvrir et d'appuyer. D'où aujourd'hui l'envie d'inviter des acteurs africains, des acteurs français à échanger sur les réalités de leur travail dans des tiers-lieux culturels. Les lieux culturels du continent africain et les tiers-lieux culturels en France ont beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre. Ce que j'ai retenu, c'est la capacité à innover, être à l'écoute, à penser et à repenser des modèles culturels qui soient en lien avec la transformation et les transitions dans lesquelles nos sociétés sont. Et que d'où qu'on soit, cette énergie-là, on sent qu'elle est vitale pour les acteurs culturels. D'avoir des retours d'expérience, de la façon dont les acteurs africains s'emparent de la question de la transmission, de l'apprentissage, et en regard d'avoir des témoins, des tiers-lieux de la région sud, pour voir comment ça résonnait avec leurs propres pratiques ici à Marseille. Quel modèle économique, quel modèle de gouvernance? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui avoir un tiers-lieu à Marseille, avoir un tiers-lieu à Bamako, à Nouakchott ou à Nairobi? Dans un continent où l'informel est quelque chose qui est en fait la norme, si on part vraiment du principe d'un tiers-lieu comme un espace d'entre-deux qui en fait peut réussir à faire de l'hybridation justement sociale, culturelle, éducationnelle, comment on réussit à un petit peu sortir des lignes qui nous sont tracées par les politiques en place, etc., pour pouvoir redéfinir ce que veut dire faire société pour nous. La rencontre m'a permis déjà de rencontrer d'autres promoteurs d'espace et avec des possibilités de développer un réseau en Afrique et un réseau entre l'Afrique et la France. Ce colloque a un peu cet objectif d'éprouver en quelque sorte les idées que nous avons, la mise en réseau, la mise en commun de dynamique, d'apprentissage, de relations, de dialogue. Peut-être derrière ça, on peut monter un programme de coopération pour structurer ces réseaux. Je pense aux jeunes artistes que j'ai rencontrés au Rwanda parce qu'ils n'attendent pas que les lieux soient créés pour créer des choses, pour dire, pour raconter. Et donc, on ne peut pas attendre nous aussi. La vie, c'est la culture. La distinction, d'un côté, les œuvres culturelles et de l'autre, les œuvres économiques, politiques, cette distinction, elle est très difficile à soutenir. Nous pensons pouvoir, avec de telles rencontres, réfléchir à des modèles économiques. Des grands lieux comme la Friche pourront réfléchir avec des petits lieux comme les nôtres et réfléchir ensemble à comment repenser nos villes et nos espaces urbains, surtout pour la génération qui arrive. Oui.